6. Bah, là également, on démarre depuis le tableau des niveaux. Pourquoi? Parce qu'à peine le niveau lancé, que le jeu est commencé. Donc si vous n'y attendez pas, vous allez rater forcément quelque chose, vous serez obligé de recommencer. Quand on va lancer le numéro 26, vous allez arriver sur une scène de jeu où vous allez avoir une balle qui se déplace du haut vers le bas. À vous de vous souvenir les directions droite ou gauche qu'elle emprunte et dans le bon ordre. C'est pour ça que je vous dis ça, parce qu'à peine c'est lancé, tout de suite la balle va se mettre à bouger. Donc vous avez 2, 4, 6 directions mémorisées pour le premier essai. Il y a deux jeux dedans, hein, deux essais. Et puis ça doit être 7 ou 8 de mémoire. 2, 4, 6, 7 pour le deuxième. Voilà, alors je vais lancer, vous allez voir la balle se déplacer. Il faut retenir les mouvements gauche ou droite et après les reproduire avec les flèches qu'il y a de chaque côté dans le bon sens. Alors on y va. Voilà, c'est parti. Voilà, alors les mouvements de haut en bas, on s'en fiche, c'est uniquement gauche et droite. Alors, pour ce premier coup, c'est gauche, droite, gauche, droite et gauche. Regardez bien maintenant, c'est le deuxième essai. Voilà, donc là, on va faire droite, gauche, 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 droite, gauche et gauche. Ma porte s'ouvre. Évidemment, je récupère ma clé et je m'en vais vers le niveau 27.